On a fait les éliminations.
J'ai pas de végétation, moi j'ai les narines sont propres, propres, j'ai la règle du paradis à soir. Une crampe de quoi? Une crampe à couture. Une crampe à couture, ah, une crampe comme une taque. C'est comme un U, là. Oui, oui. Non, j'ai pas de U, moi j'ai un coup de 6 pouces, là. Moi, je suis prêt à me rentrer dans le nez. Je suis bien excité, j'ai hâte que vous me dites comment on fait. Pardon? Ok, un instant, là, je vais regarder, là. Ok, j'ai trouvé un 4 pouces. Bon, parfait. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Mais je vous avais dit que pour réussir à faire ça, faut que tu sois capable de bien imaginer des grands, avoir de l'imagination claire dans ta tête. Bon, moi, je suis très imaginatif. On parle, on parle. Je sais que j'ai ta voix avec ce que tu fais, de l'imagination. Ouais, mais ça reste entre vous et moi, ça, ok? Le contrôle de notre corps, ouais. C'est capable d'imaginer. Alors, you may have to speak to my
Ouais. Ok, on va faire quelque chose, on va passer à un autre exercice parce que là, j'aimerais ça faire une hypnose, puis on s'en reparlera parce que c'est quand même. Moi, je m'en vais voir. Oui, l'auto-hypnose. Et moi, j'ai appris l'hypnotiste en 1960, il est en 11e année, avec deux feuilles. Ah, deux feuilles? Oui. Ok. J'ai demandé, il m'avait dit, il m'avait donné ça, apprends ça par cœur. Oui. Et sans méditation, puis tu fais. Ok, là j'imagine. Là je ferme les yeux, il n'y a personne devant moi. Ok? Oh, je vais mettre autour du je suis bien assis. Tu relâches. Tu relâches comme il faut. Oui. Et là, quand tu dis relâche, relâche. Numéro-là avec vous. Je m'en vais à Saint-Pamphile cet été pour aller vous voir, pour aller faire laver mon auto. Alors, c'était M. Degros de Saint-Pamphile qui s'appelle le Grand Saint. Oh! Alors, la prochaine fois, on fera des séances plus sérieuses. Puis merci d'avoir embarqué dans le jeu. On n'a pas mis une coupe, je pense. Merci à vous. Ciao! Bye bye.